Bonjour, 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 bonjour aux nouveaux, bonjour aux anciens, bonjour à tout le monde. Voilà, je suis dehors, j'en profite rapidement, je me suis dit, je vais faire une petite introduction à cette vidéo. Là, je vais vous montrer l'une des méthodes pour la fabrication du farine de manioc. Sachez qu'il y a deux méthodes que moi j'utilise dans cette vidéo, je vous montre la première et puis la deuxième, ben, je la ferai le jour où je ferai de la farine. Voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, ça m'a coûté beaucoup, beaucoup de travail de la filmer. Ça m'a pris un mois parce qu'il a fallu attendre à chaque fois de respecter tout le processus de fabrication pour pouvoir faire la vidéo en entier. Voilà. Bon visionnage. Bye! Ici, le manioc, il y en a pas mal. Voilà. Là, c'est déjà coupé, il faut éplucher. Là, c'est les épluchures. Et là, je découpe. Voilà, pendant qu'il y a un certain qui s'amuse à manger, hein, et à tout foutre par terre. Et on les met dans des bacs comme ça, des gros, des petits, pour que, ben, on va plonger dans l'eau. On verra dans la suite comment ça se passe exactement. Bon appétit, Bibi! On enlève les extrémités. Voilà. Ça va salir partout, hein, mais c'est pas grave. Et ensuite, on coupe comme ça, sans se blesser. Ça se coupe très facilement. Vous pouvez le voir. Là, je vais vous montrer comment éplucher. Voilà. On fait une incision comme ça. Et on va chercher ici à l'intérieur. Après, ça part tout seul, comme un grand. Voilà. Vous voyez? Donc, là, c'est cette peau rouge là, ça s'enlève tout seul en fait. Vous voyez, c'est lisse. C'est très lisse. Oh, ça fait un massage de manioc. Je remontre doucement cette fois-ci. On fait petite incision. Et on va chercher la peau rouge en bas. Voilà. Et quand on a bien pris, en général, il n'y a pas de raison que ça traîne. C'est lisse. Ça part tout seul. Ce qui fait que c'est très très facile à éplucher. Voilà. On va envoyer la suite. Voilà, ça progresse. Opération farine de manioc. Là, on coupe en très 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 petit pour que ça soit prêt très rapidement. Parce qu'en Afrique, avec la chaleur qu'il fait, ben, en 2-3 jours, on a un manioc qui est déjà lavé de tout son amidon et qui est tout mou. Mais en France, avec le froid, sachant qu'on est début septembre, bref, il y a tout ça. Vaut mieux couper en tout tout petit morceau pour que ça aille beaucoup plus vite. Parce que sinon, on arrive facilement à 2 semaines et ben, on n'a pas que ça à faire, quoi. Le temps, c'est très important. On le réserve à autre chose. Voilà. Donc là, on finit le découpage. Il n'y en a presque plus. Il reste encore ça. Les épluchures, ça ira au jardin de maman. Hein. On remet à la terre ce qui vient de la terre. On remercie la terre de nous avoir donné tout ça. Il y en a plein d'épluchures. Il y en a encore ici. Enfin, bref, il y en a partout. Voilà, on finit de couper ça et puis on va mettre dans l'eau. Voilà. Il y a tout ça. Avec ça, on est bon pour l'hiver là. Donc, on va tout mettre dans des petits bacs comme ça, plein 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 de petits bacs, pour que ça soit plus facile de changer l'eau. Parce que si on met l'eau ici, soulever ça, je sais pas. Au revoir. Voilà, on a tout ça. Pour l'instant, l'eau est claire, ça va devenir tout blanc parce que ça, l'eau va absorber au fait tout l'amidon. Donc, tous les jours, on va vider l'eau et on va remettre de l'eau propre. Pour dégager tout l'amidon du manioc. Voici ici le manioc en train de se débarrasser de son amidon, n'est-ce pas? Voilà. Bon débarras amidon. Moi, je veux ma farine. Il y a un joli soleil là, le manioc en train de sécher. Voilà. Ça sèche, ça sèche. C'est encore un tout petit peu mouillé vers le bas. Ça colle un tout petit peu, mais ça va pas tarder. Je fais ça vraiment à la fin de l'été.
Je fais les derniers stocks pour l'hiver parce que cet hiver il va faire froid, on ne pourra plus faire de la farine, donc il faut faire en avance. Voilà, ça sèche, ça sèche. Alors, comment j'ai fait, hein? J'ai juste mis comme ça. J'ai pris un grand drap du coup que j'ai dédié uniquement à fabriquer de la farine. Hein? Voilà, et puis j'ai mis sur le séchoir avec moi, tout simplement. Pour faire passer l'air en dessous. Voilà, comme ça, il y a l'air qui passe par là et ça sèche aussi bien en haut qu'en bas. Et la suite, les amis, nous venons de faire des crêpes. Voilà ce que ça donne quand on a des enfants. Et maintenant, on va essayer de faire un peu de la farine de manioc. D'accord, ici il nous a mis un peu de farine de coco, mais bon, heureusement c'était fermé. Et ça aussi, apparemment, c'est à mixer. Comme on n'est jamais trop sûr avec les enfants, on va complètement vider tout ça avant de le remplir pour être sûr qu'il n'a rien mis de bizarre dedans, genre des girafes, des choses comme ça, vous savez, non? Ok, c'est vide. D'accord, on va recommencer, on va lui donner parce que sinon il va pleurer. Je vais arrêter là juste pour vous montrer le processus. J'éteins et je vais débrancher parce que vous savez, non? J'ai débranché surtout. Maintenant, on va prendre le tamis qui sert de. Je sais pas quoi il sert. Enfin, bref, merci. Voilà. On va tout mettre dans le tamis. C'est pas très très bien mixé, hein? J'ai coupé. Parce que j'ai envie d'aller vite pour vous montrer. Ok, tu fais faire quoi, Coco? Vas-y. Maman fait. Ah, d'accord, il veut faire aussi. Allez, fais. Mais pas sur le machin. Pas sur la table à truquer. Attends, maman va te donner quelque chose. Attends. Faut être ingénieur, hein, avec les enfants. Non. Donc, du coup, vous avez ici une farine, hein, qui a déjà reçu des doigts. Une farine de manioc. Prêt pour faire les gâteaux, les pains, les foufous, les tout ce que vous voulez. La bouillie pour le bébé. L'ongle des halos. Ah mon Dieu, c'est dur, hein? C'est dur d'être avec les enfants. Merci. Ok. On va tamiser. Bon, après ça, vous devenez tout blanc. Hein? Les cheveux deviennent blancs, tout ça devient blanc. C'est tout à fait normal. D'accord? La poussière, c'est normal. Voilà. Je ne cherche même plus la voix parce que ça ne sert à rien, il va revenir. Voilà. Donc, là, c'est, vous voyez, il y a encore un peu de manioc. Donc, je vais encore le remixer un tout petit peu. Ok. On va remettre dans le mixeur. Ici, il les prend pour les manger comme ça. C'est aussi une bonne idée. Attends, Coco. Ouais, c'est bon, hein? Ok. Ouais. Ne touche plus ma farine. Attends, j'ai une meilleure idée. On va te prendre une assiette. Attends-moi là. Voilà. Tu mets tes doigts dans la bouche là. Allez, tiens. Amuse-toi avec. Allez, hop, on recommence. Dans tout ça, vous voyez, c'est une poule qui est passée par là. J'ai eu un petit baptême. C'est pas dangereux, hein, que monsieur mange la farine de manioc. Parce que le manioc, comme ça. Il a été trempé dans l'eau pendant des jours, séché au soleil. Hein? Donc, il est vidé de son amidon. Donc, hein? Pendant la guerre au Congo, c'était l'aliment de base. On mangeait que ça, il n'y avait que ça, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de poisson, il n'y avait même pas de légumes. Il n'y avait pas de marché. À la capitale,
On avait surnommé ça Kéliol. On mangeait ça. Pendant la guerre de 98. C'est pas toxique. Faut pas manger les tonnes. Voilà, pas toxique. On mange ça. Même processus, on va d'abord arrêter, débrancher, hein, parce que n'oubliez pas que vous avez des gens qui sont dangereux autour de vous, n'est-ce pas? Des enfants comme ça là qui mixent des girafes tout cru, c'est ça peut être très dangereux. Attends, si tu veux taper, d'accord, tape. Ok, si, good job, baby. Ok, laisse-moi faire maintenant. C'est fini. Oh, mais c'est fini, non? Bah. On retamise. Vous voyez quand même la quantité de machin que j'ai récupéré, quoi. C'est énorme, non? Maintenant, voilà ce qui reste. Donc ça, clairement, ça ne sert plus à rien, hein, de retamiser. Hein? Voilà. Il reste des machins comme ça. Donc ça, je vais vous montrer. Donc, je récupère le maximum. Je viens... Mais laisse mon entonnoir. Oh! Je viens mettre ça ici. D'accord, ça fait un bord de l'équipe possible. Et ça, quand vous faites les poissons panés, poulets panés, vous voyez, rien ne se jette dans le manioc. D'accord, ça, c'est la bonne farine que vous récupérez. C'est vrai que ça, c'est la farine sans amidon du coup. Parce que dans la méthode que moi, j'ai utilisée pour fabriquer cette farine, j'ai jeté toute l'amidon. D'accord, je vous montrerai une deuxième méthode pour fabriquer la farine de manioc. Où vous allez récupérer et la farine et l'amidon. Ça, c'est une méthode traditionnelle qu'on utilise dans, dans mon village natal, famille village natal. Hop. Donc, l'écorce du manioc, vous le gardez pour du compost dans le jardin ou pour les animaux. Normalement, on récupère aussi l'amidon, mais dans cette méthode-là, moi, l'amidon, je ne l'ai pas récupéré. Pas bien. Là, j'ai de la farine, d'accord? Et les restes là, les petits fibres qui se mâchent pas, qui ne se mixent pas, je m'en servirai comme chapelure pour faire poisson pané, miche pané, boulette pané, fruto pané, fruto pané. Ok? Donc, je vais prendre ma farine que je vais mettre dans les bocaux comme ça, hermétique, hein, avec les joints. Et ça va se conserver comme ça pendant très 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 longtemps. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je ne mixe pas tout en même temps. Hein. Le reste du manioc, il est là. Et vous avez vu la quantité de manioc que j'avais fait au début? Il y en a plein, 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 plein. Donc là, aujourd'hui, je vais mixer tout ça parce que bah, j'en ai besoin. Tout ce mois-ci, c'est juste pour m'éviter beaucoup de travail. Mais tout le manioc que j'avais fait, je ne mixe pas en même temps. Je conserve comme ça en dur. Comme ça, ça garde au maximum la saveur. Et puis, quand j'en ai besoin, je mixe des petites quantités. Vous avez compris que petite quantité, pour moi, ça, c'est beaucoup. C'est juste que je viens de pays où on mange beaucoup ça, surtout la farine de manioc. Et que nous, c'est presque quotidiennement qu'on mange ça. On en fait la bouillie de bébé. On en fait le foufou. Le foufou, c'est une pâte de farine de manioc comme ça, mélangée avec de l'eau chaude, rien d'autre. Qu'on mange accompagné de légumes, de viande, d'une chose ou autre chose. Je pense que je ferai des vidéos pour celles que ça intéresse ou ceux que ça intéresse. On en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Donc, sur ce, vous avez compris comment fabriquer la farine de manioc et en même temps avoir de la chapelure. La prochaine fois, je ferai l'autre méthode pour que vous puissiez voir aussi comment est-ce qu'on fabrique l'amidon de manioc. Sur ce, je vous dis bye! Qui va nettoyer tout ça? Ah, mon Dieu. Montre un peu ta vêtement, coco. Ouais. Ok, ça promet. Bon, bah écoutez. Bye! Ok. Bye!